Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, eh bien c'est extraordinaire. Si vous portez bien et que votre famille se porte en merveille, c'est même la grâce de Dieu. Avez-vous regardé la vidéo précédente? Un choc. Une personne supposée être un ennemi à une personne qui est décédée s'est vue être lapidée. Pas tout simplement les fans ancestrales. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, les gens ne laissent pas l'affaire ou ne veulent pas laisser l'affaire, on dirait. Mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Mes frères et sœurs, c'est terrible. Selon vous, maintenant, qu'est-ce qui peut pousser des gens à réagir de la sorte? Dites-moi. Ah! Si vous voulez savoir, il y a une star qui est décédée. Le 12 août ici, elle était célèbre, elle avait des fans. Elle était maintenant en conflit avec beaucoup de personnes. Et voici que, après sa disparition, le conflit continue. Parce que pour les gens, ses ennemis ne sont pas encore morts. Et si elle, elle est partie de ce combat, elle doit continuer le job. C'est un truc de ouf, mes frères et sœurs. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Et moi aujourd'hui, j'aimerais vous parler, c'est un truc important. Un truc vraiment important. Qui va vous permettre de comprendre quand même ce genre de choses. Mes frères et sœurs. Sur la terre ici. Tout le monde ne peut pas vous aimer. De ce monde ici. Tout le monde ne peut pas vous apprécier. Tout le monde ne peut pas être avec vous ou encore d'accord avec vous. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec vous. Ah! Ne vous attendez pas à ce que les gens vous aiment ou vous apprécient. Ne vous attendez pas à ce que les gens soient fans de vous. C'est-à-dire tout le monde soit fan de vous, soit content de vous. Et même quand ça arrive, faites attention. Faites vraiment très attention. Faites vraiment hyper attention. Il y a un truc. Il y a vraiment un truc. Qui sont nos ennemis? Qui sont nos ennemis maintenant? Un ennemi, c'est une personne spirituellement parlant qui ne nous aime pas du tout. Et cette personne-là veut nous voir mourir. C'est-à-dire que cette personne-là souhaite 24 heures sur 24 que le malheur nous arrive. Ça veut dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, mon ami, toi, ma soeur, toi, mon frère, si tu as un ennemi, cet ennemi-là cherchera à te faire du sale. On appelle ça chez nous du sale. Cet ennemi-là cherchera à te faire de la peau. 24 heures. 24. Et cet ennemi là, tu peux le connaître comme ne pas le connaître. Cet ennemi là peut être proche de toi comme loin de toi. Parfois même ce mec que tu vois comme tes ennemis ne sont pas en réalité tes vrais ennemis. Tes vrais ennemis sont même près de toi, même mais tu ignores. Parce que la plupart du temps, les vrais ennemis veulent toujours être nos amis. Les vrais ennemis. Je dis bien, toi, tes vrais ennemis, là, eux, ils ne veulent pas se séparer de toi. Ils veulent toujours être auprès de toi. Afin de pouvoir te suggérer de mauvaises idées pour t'enfoncer dans le trou. Pour t'amener à la mort. Parce qu'en ce moment-là, quand tu ne seras plus, ils vont crier victoire. Parce que... C'était la mission. C'est tout de ouf. Mais c'est juste. Maintenant, si tes ennemis là sont près de toi, toi, tu ne peux pas savoir facilement que ce sont tes ennemis. Non. Tu ne peux pas savoir. Que va-t-il se passer dans cette situation? Dans cette situation, si tu es un fils de Dieu, que Dieu t'aime beaucoup, Dieu va te révéler par plusieurs façons, par plusieurs manières qu'il y a des gens autour de toi qui ne t'aiment pas vraiment, mais qui sont tes ennemis. Tu leur fais du bien,
Mais tu le rends en mal. Mais toi, tu ignores ça. Il faut faire attention. Il faut te retirer de ces personnes afin que tu puisses bien évoluer dans ta vie. Sinon, actuellement, tu ne voulais pas tellement bien. Ah! Qu'est-ce que Dieu est tenté de te dire? Dieu est tenté de te dire que tes ennemis, tu as des ennemis d'abord pour commencer, tu as des ennemis. Tu as des gens qui ne t'aiment pas vraiment, mais qui font même semblant qu'ils sont près de toi, qui veulent rester près de toi pour susciter ta chute. Et ces gens-là, tu dois les identifier. Ah. Tu dois les trouver. Oui. Parce que ce sont des gens mauvais qui ne souhaitent pas changer. Qui ne souhaitent pas changer. Peut-être que toi, tu veux leur bien. Mais eux, ils cherchent à t'enfoncer. Ces personnes-là sont même là. Même si vous voulez acheter-les des maisons. Même si vous voulez acheter-les des camions, des voitures, tout ce que vous voulez. Même si vous voulez donner-les des femmes. Si ces gens-là, spirituellement parlant, sont dans un autre monde. Et ils sont supposés être vos ennemis. Quel que soit le bien que vous allez leur faire, ça ne va pas changer leur idée par rapport à vous. Ça ne va jamais changer leur pensée par rapport à vous. Ces gens-là sont carrément vos pires ennemis. Mais quand vous ne les connaissez pas là, ce n'est pas bon. Quand vous ne les connaissez pas, ce n'est pas bon. Il faut les découvrir. Il faut savoir qui ces gens-là sont et comment ils opèrent. Comment ils opèrent. Quand vous avez de tels ennemis auprès de vous et que vous ne les connaissez pas, ah, c'est grave. Hein? Chacun a un ennemi dans sa vie. Un ou plusieurs. Si vous êtes un homme de Dieu, oh la mère c'est gâté. Vous serez beaucoup d'ennemis comme ça. Et ces gens-là, vous devez prier pour eux. Pour que Dieu ait compassion d'eux et qu'ils puissent changer quand même leur situation. Mais n'oubliez pas qu'un serpent n'est pas fait pour être sur un lit. Un serpent n'est pas fait pour être sur le même lit que vous. Ça veut dire que c'est vrai, tu pries pour que cette personne la change. Mais un chien qui t'a mordu une fois. Quelqu'un qui a été même mordu par un serpent. Non. Par un chien là-bas, prenons un chien. Quelqu'un qui a été mordu par un chien là. Même quand il voit un chat, il fuit. Tu as été mordu par le chien. Là. Mais quand tu vois le chat déjà, tu te dis, ah, WhatsApp. Mais c'est le chien, donne-moi ton WhatsApp. Tu fuis. Tu te dis, ah, c'est chaud. Ah, c'est grave. Et comment tu dois fonctionner avec de tels cas? Une fois que tu as détecté qui sont les ennemis auprès de toi là, et même tu as détecté que ces gens-là même, en plus d'être tes ennemis, ils sont même dans la sorcellerie. Là même c'est grave. Là même c'est grave. Des gens peuvent ne pas vous aimer juste pour te tester comme ça parce que vous leur avez dit. Quelque chose de mauvais, ça l'a touché. Ces gens de personnes, on peut corriger leur cas en leur demandant pardon, on peut régler le problème facilement. Et ces gens-là, quand vous réglez le problème par le pardon, ces gens-là peuvent accepter facilement. Ça, ce ne sont pas tellement des ennemis graves. C'est-à-dire, c'est pas ennemis aigus. Voilà. Mais les ennemis vraiment très graves, très compliqués, ce sont les sorciers. Eux là, même si vous voulez réconcilier vous avec eux, c'est que vous allez vous réconcilier 10 milliards de fois parce qu'ils ne vont jamais changer. Ils vont toujours demeurer vos ennemis. Ces gens-là, vous devez vous retirer d'eux. Si vous voulez prier à distance, priez. Mais retirez-vous d'eux. On dit sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Il faut demander à Dieu aujourd'hui, avant la fin de l'année, montre-moi qui sont mes ennemis. Je ne vais pas entrer dans la nouvelle année avec les problèmes des. Peut-être que les gens vont sauter, bonne année, tout ça. Il y aura même des ennemis qui vont venir me sauter aussi, bonne année. Or, eux-mêmes souhaitent ma mort. Si mon père est en 2019, ils veulent m'avoir en 2020.
Mais Jésus est Seigneur toujours. Tant que Dieu vit, nous serons toujours vivants. Tant que l'Éternel, notre Dieu, est avec nous, nous serons toujours victorieux. Nous aurons la victoire. Mes frères et sœurs, quand vous êtes bien, vous êtes un bon gars, et que malgré ça, vous avez des ennemis, Dieu est avec vous, il vous protège. Même quand vous êtes un bon gars, et que malgré tout ça, vous avez des ennemis, Dieu vous défend toujours. Mais faites attention à ne pas avoir trop d'ennemis avec vous. Sinon, ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé au temps de Jonas. Vous avez vu ce qui s'est passé au temps de Jonas, non? Quand Jonas était même dans le bateau, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jonas est rentré dans le bateau, la mer s'est soulevée. Les vagues, le vent. On a l'impression que c'est à cause de ces personnes-là que tout ça, là, ça avait lieu. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait même prier. Chacun devait prier son Dieu pour que ce Dieu lui donne, lui réponde rapidement. Et lui dise clairement qui est à la base de leurs soucis en ce moment-là. Et pourquoi il y a même tous ces problèmes. Ce n'est pas du vrai de détecter la base de leurs problèmes. Si tu fais un truc et que tu demandes à Dieu de t'aider, Dieu va vraiment t'aider. Si tu pries avec précision, Dieu peut exaucer ta prière même. D'une manière ou d'une autre, il faut être disposé seulement. Tu vas recevoir le message, la réponse de Dieu. Et quelqu'un a détecté que c'était Jonas le problème. Que s'est-il passé? Jonas lui-même l'a pris à part pour dire, oh, vous savez, c'est moi. Vous avez raison. Ce que vous devez faire, c'est de me jeter dans la mer là-bas. Et le problème va s'arranger. Si on jette le gars dans la mer aussi, on risque de mourir. Parfois, on va prendre des décisions difficiles là, pour avancer. C'est un truc de ouf. Vous comprenez maintenant pourquoi ces gens-là ont réagi comme ça quand ils ont vu l'un des ennemis à ce stade qui est décédé. Eux, ils disent, il n'y a pas de trahison en Chine. Il n'y a pas de trahison en Chine. C'est la règle chez eux. Ça veut dire quoi? Si tu es avec Dieu, il faut demeurer avec lui. Tu ne dois pas le trahir. Non? Mais tes amis sont aussi trahis toujours. Tes ennemis vont toujours faire ce qui est mauvais juste pour que tu aies mal au cœur. Juste pour que tu aies mal au cœur. Every day, c'est-à-dire toujours, tout le temps, il faut avoir des problèmes. Identifie aujourd'hui qui sont tes ennemis. Ce sera ton premier travail de ce jour. Ton premier travail de ce matin sera de chercher à identifier qui sont réellement tes ennemis. Cette semaine, c'est une semaine terrible. Dieu va commencer à se révéler aux gens, à montrer aux gens qui sont les ennemis. Et si tu découvres ça, ne sois pas en guerre contre eux. Toi, il faut manifester l'amour pour eux, mais à distance. S'il faut même rester même aussi de bonjour, bonjour. Si tu veux, tu peux leur faire du bien. N'hésite pas à le faire. Mais ne cause plus tellement avec des gens qui cherchent à te nuire. C'est pas de la blague. C'est pas une histoire de la blague. Si un gars cherche à te tuer, toi tu ne peux pas vraiment bien rire avec cette personne. C'est pas pour vous mettre en conflit contre qui que ce soit. C'est la vérité. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un ennemi? Un ennemi, c'est un gars qui est armé et qui vient vous tuer. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est ce que les sociétés sont en train de faire. Ils sont en train de s'armer pour aller en guerre. C'est une guerre spirituelle. Ce n'est pas un combat physique avec les armes physiques, non. Priez. Dis-moi, Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, aide-moi à savoir qui sont vraiment ceux qui me persécutent, ceux qui sont mes ennemis. Parce que je vous pouvez même avoir des ennemis près de vous qui sont même à la base de vos problèmes, même de votre entreprise. Et ces ennemis-là se font passer pour les docteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta meilleure amie peut être ton ennemi, par exemple. Elle cherche ton mari. C'est même elle,
c'est à cause d'elle-même que toi, ton mari te trompe et ils sont matin, midi, soir, ils ne peuvent pas entrer à la maison. Mais quand tu sens qu'il y a un problème dans ton foyer, que tu veux venir lui dire, et même quand tu lui expliques ça, elle te dit, ah, comment les hommes peuvent faire ça, les gens sont mauvais, ils sont méchants, comment ils peuvent te faire tout pareil. Laisse-moi lui dire la vie de mes quatre vérités. Il ne faudrait pas qu'il te fasse comme ça. Il ne faudrait pas qu'il te prenne comme ça. Oh, c'est elle-même qui cherche ton mari. Une personne comme ça, c'est qui pour toi? Est-ce que c'est un ami ou un ennemi? Pour que le problème soit corrigé, qu'est-ce que tu dois même faire? Tu dois te séparer de cette personne. Obligatoirement. Parce que là, c'est elle ou toi. Ton mari doit faire un choix. Ton mari doit vraiment faire un choix. Il doit choisir. C'est un truc de ouf. Hein. C'est vraiment un truc de ouf. Mais c'est la pure réalité. Tu ne dois pas garder dans le corps de cette fille. Tu dois juste oublier l'affaire. Faut lui pardonner. Mais ce qu'elle a fait, ce sont des signes que tu ne dois pas oublier facilement. Ça apporte le son au champ. C'est vrai. C'est la sorcellerie pure et simple. L'ennemi du pasteur, c'est le diable et ses démons. Les démons du diable n'ont jamais devenu de bons gars. Les démons du diable n'ont jamais devenu de bonnes personnes. Est-ce que le pasteur, il va prier pour que Dieu délivre les démons? Eux sont déjà des démons. Et je vais vous dire en même temps qu'on a découvert que sur la terre ici, il y a des gens qui sont nés. Il y a les démons sous forme humaine. Un démon est là parmi nous et il est tenté de mettre la zizanie parmi nous. Par exemple, un démon déguisé en femme séduit les maris des gens pour les pousser à quitter leur femme ou détruire leur foyer. Ça, ce sont les démons qui font ça aussi. Est-ce qu'un tel démon, tu vas jouer ça? Tu ne vas pas venir attaquer le démon physiquement, non. Ça ne sert même à rien. Ça ne fera que même l'élever. Mais il faut prier ma soeur. Il faut prier mon frère. Et que Dieu t'aide dans ce combat. Ou encore dans tous les combats de ta vie. Qui sont tes ennemis? Faut dire, qui sont même mes ennemis? Répète. Faut dire, Seigneur mon Dieu, montre-moi mes ennemis. Je veux les voir. Toi-même, tu seras surpris. Hein? Quand Dieu va te révéler qui sont tes ennemis, tu verras même que la personne même à qui même tu as fait le plus grand cadeau, c'est l'ennemi numéro un de ta vie. Moi j'ai vu. Et je continue de voir au stade où je suis arrivé là. Même mes ennemis ne se cachent plus. Ils viennent se montrer matin, midi, soir, matin à moi. C'est nous. Écoute, tu sais, c'est nous. Nous sommes tes ennemis depuis la création de la terre. Mais tu ne savais pas. Maintenant que tu sais, ah, s'il te plaît, donne une autre chance d'entrer dans ta vie encore, sois un bon gars pour nous comme avant. Tu dis quoi? Jamais aujourd'hui, jamais demain. Et pour les gens maintenant qu'on marie des femmes qui sont des sorcières, qui sont même leurs ennemis. Ah, avant de se marier même, il faut prendre soin de savoir avec qui on se marie. Parce que tu t'as épousé une cour, elle est même sorcière. Tu vas crier au secours, au secours, au secours, au secours, tout le monde au secours, au secours. Là, tu as demandé à Dieu de venir t'aider. Et même on fait des films où les femmes étaient des vampires. Hein? C'est-à-dire qu'il avait le mari épousé une femme et il est tombé sur une femme qui est déjà un vampire. Comment il va faire? Elle lui dit en même temps, écoute mon ami, tu m'as épousé, non? Est-ce que c'est moi qui t'ai appelé pour m'épouser? C'est toi qui es venu m'épouser, non? Tu as cherché, tu as trouvé, tu as même cherché et tu as même trouvé. C'est vrai que tu aimes femme. Aujourd'hui, tu as tombé sur une femme vampire ou une femme sorcière. Elle est même prête pour toi aujourd'hui. Elle aussi prête toi demain. C'est genre de cas là, j'existe. On va raconter même une petite histoire. Un homme. Vous avez filmé, il y a vu ça. Dans le film là. Il y avait des filles sorcières.
Vous savez, quand c'est samedi ou bien c'est temps de fête là, elles sortent beaucoup. Et quand elles sortent là, c'est pour aller séduire les hommes. Et toi, si au plus grand malheur, tu es tombé fan de ces filles et que tu es allé même à l'hôtel avec elles, tu vas voir ce que tu vas voir. Si tu n'es pas mort, tu ne vas pas sortir là-bas la même personne. Voici le gars maintenant, il va arriver avec la fille. Il a d'abord même vu la fille. Tellement elle était jolie. Il est là, ah, tu es belle comme ça, comme ça. Elle n'était pas. D'abord, elle se jouait aux filles difficiles au départ. Mais à un moment donné, elle a commencé à se laisser aller parce qu'elle savait ce qu'elle cherchait. Elle sait qu'elle est une sorcière. Et qu'elle est venue en mission. Elle ne peut pas échouer. Qu'est-ce qu'elle va même faire? Elle a même se laisser séduire. Les deux voilà l'hôtel. Il faut bien faire les choses. Ils ont fini de bien faire les choses, ils assurent même sur eux. Elle regarde le gars et elle lui dit. Elle dit, tu es au courant? Elle dit, de quoi parles-tu? Elle dit, non, non, elle rit d'abord, elle a commencé à rire. Elle a commencé à rire de façon exagérée maintenant. Elle riait fortement, bizarrement. Elle lui disait, tu as apprécié, non? Tu as bien aimé, non? Il dit, oui, c'était bien, vraiment, c'était extraordinaire. Elle dit, ok. Mon ami, tu es devenu impuissant. Parce que je suis une sorcière. Et mon travail, c'est de rendre les hommes impuissants. Il a cru que c'était de la blague. Il a même cru que c'était de ses films. Elle lui a dit ça ouvertement comme ça. Il s'est levé. Il a attrapé son truc. Il a commencé à courir pour sortir de la chambre d'hôtel. Pour aller à l'hôpital pour vérifier. Mais il faut se dire, fait. C'est comme ça que les gens attrapent le sida. Oui, les gens disent que le sida, c'est la maladie des démons. Mais il y a une personne qui sait qu'elle a le sida. Et elle vient te donner le sida là comme ça. Qui est cette personne-là pour toi? Est-ce que c'est un ami ou bien c'est un ennemi? Cette personne va détruire ta vie pour toujours. Et de telles personnes, il faut les identifier. C'est là moi j'ai amené les gens à faire très attention ces temps-ci. Beaucoup de couples ne font pas ça d'abord. Ils ne pensent même pas ça. Dès que tu rencontres une fille, elle t'aime, vous aimez. Ne touchez pas au sexe en même temps. Allez d'abord voir le pasteur. Le pasteur va prier pour savoir si cette personne-là, spirituellement parlant, elle est de votre corps ou pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est une sorcière ou bien sataniste, tout ça. Ou bien, est-ce que cet homme, c'est un sataniste et tout ça. Parce que si ce n'est pas fait, vous aurez même des problèmes. Ça, c'est le premier élément, le moment le plus important. Deuxième élément, aller à l'hôpital pour voir si les gens n'ont pas le sida. Le VIH. La maladie. Parce que moi, j'ai vu une star. Une personne tellement connue, tellement jolie, qui avait des semaines, qui avait tout ça pour attirer les gens. Elle est tellement jolie, elle a séduit beaucoup d'hommes et elle a transmis le virus du sida à ces gens. Alors qu'elle était au courant qu'elle avait le sida. Vous avez vu, l'homme est incompréhensible, l'homme est incompréhensible. Les gens deviennent de plus en plus mauvais, de plus en plus durs. De plus en plus bizarre. Et ce que nous sommes montés de vous dire, c'est pour voir bien. C'est pas pour vous amener à vous révéler comme qui que ce soit. Faites attention. Commencez à détecter qui sont réellement les gens qui vous mettent des bâtons dans la route. Et commencez à vous séparer de ces gens, des personnes. Et avancez. Même s'il faut être seul pour pouvoir réussir, faites-le. Dieu va vous aider dans ça. Mais que ce soit Dieu qui vous guide et non vous-même par votre propre pensée ou vos propres idées. Parce que vous pouvez ne pas aimer quelqu'un, vous allez dire, oh, comme j'ai vu cette vidéo-là, à mettre cette personne, c'est le diable. C'est le diable, c'est même le diable que j'ai depuis. Oh, merci, c'est le diable, il veut te voir. Hey, qu'est-ce qu'il va pas faire toi? Faites attention. Ayez un esprit de discernement. Priez beaucoup même, afin que Dieu puisse vous parler. Dieu va nous aider aujourd'hui. On a besoin de l'aide de Dieu. Que Dieu nous donne son esprit de discernement. Oui, elle a dit non.
Lundi prochain, on va se revoir encore. Sans doute. Quel est le bilan? Quelle est votre progression? Je vais prendre la parole. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Et laissez un j'aime si vous pensez que vous avez bien fait de faire cette vidéo aussi. Et c'est pour la prochaine vidéo. C'est parti.